On va commencer avec vous, Eric Stab. Karenji est un cas à part. Il ne s'agit pas de reprendre car vous n'avez jamais arrêté. En effet, bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Nous n'avons en effet jamais vraiment arrêté. Certains secteurs de l'économie sont très très fortement affectés par cette crise et ont complètement cessé leurs opérations. D'autres, comme nous, chez Engie, restent très actifs. Alors, la raison principale, bien entendu, c'est le fait que nous apportons un service essentiel au bon fonctionnement de la société et de l'économie. Et donc, nos activités opérationnelles se poursuivent, pas tout à fait de manière normale, mais presque depuis le début de cette crise. Donc, nous avons aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, plus de la moitié de nos équipes qui restent sur le terrain, à peu près un tiers de nos salariés qui sont en télétravail, et nous avons également, bien entendu, certains salariés qui sont absents ou qui prennent des congés dans cette période difficile. Alors, bien entendu, les collègues qui restent sur le terrain respectent de manière extrêmement stricte toutes les mesures liées à la protection de leur santé qui sont indispensables. C'est bien entendu notre priorité numéro un, pour ne pas dire notre priorité zéro, la santé, la sécurité de nos salariés, de leurs familles et bien entendu aussi de nos clients. Alors, ça passe par la protection de tout le monde avec les équipements nécessaires. On a beaucoup, beaucoup parlé, évidemment, dans toutes les entreprises, d'accès aux masques, d'accès aux gants, aux gels désinfectants, voire aux combinaisons de protection. Et bien entendu, nous avons également enjoint nos salariés de bien respecter les mesures de distanciation sociale et tous les gestes barrières dont on parle beaucoup. Donc, c'est ça notre priorité numéro un. La seconde priorité, bien entendu, c'est la continuité opérationnelle, parce que là encore, comme nous assurons un service essentiel, il est absolument impératif de ne pas avoir d'incident dans la pratique, je dirais, ou dans l'exploitation de nos services. Et enfin, comme toute entreprise qui traverse une période de crise, notre priorité numéro 3, c'est la gestion de notre trésorerie, comme on dit en anglais, « cash is king ». Et tout en restant, je dirais, solidaire du budget public, en payant en temps et en heure nos impôts, nos contributions, et en essayant également de soutenir nos fournisseurs et partenaires en les payant dans les délais impartis, nous veillons quand même de très très près à la collecte de notre cash et à une bonne gestion de notre trésorerie pour sortir de cette crise dans de bonnes conditions. Je parlais tout à l'heure de l'importance d'assurer la santé et la sécurité de nos salariés et de nos clients. Ça passe évidemment par l'accès à suffisamment d'équipements de protection, des masques, des gants, du gel, des combinaisons, des visières, etc. Il n'y en avait pas, vous en avez trouvé comment? Et il n'y en avait pas, comme pour tout le monde. Donc, on a découvert comment fonctionnait l'approvisionnement de ce type d'équipements de protection. Dans les autres difficultés rencontrées, il y a évidemment aussi les ajustements organisationnels que nous avons été amenés à mettre en place pour maintenir la continuité opérationnelle de nos activités. Ça n'a pas été simple pour, en particulier, nos collègues sur le terrain. Et je profite du forum que vous m'offrez pour leur rendre hommage aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'ils sont tous en première ligne dans des conditions difficiles et ils font un travail remarquable. Il a fallu qu'on s'adapte pour que nos collègues qui pratiquent le télétravail puissent justement continuer à être productifs dans des conditions aussi bonne que possible. Il a fallu informer nos clients des conséquences de cette crise, parce que nous ne recevons plus nos clients sur nos implantations commerciales puisqu'elles sont fermées. Donc, on a développé d'autres modes de relation avec eux. Et ce qui est sans doute le plus difficile pour nous comme pour beaucoup d'entreprises, c'est la gestion de l'incertitude dans un contexte de pandémie sans précédent, parce qu'effectivement, aucun de nous ne sait quand les choses vont vraiment s'améliorer. Alors certes, il y a un peu plus de visibilité sur les dates de déconfinement dans certains pays, mais ça a bien entendu des conséquences importantes et gérer cette incertitude au quotidien avec les équipes, dans l'interaction avec les clients, ça n'est bien entendu pas simple. Et enfin, nous sommes aussi impactés sur le plan économique puisque en fait, la distribution d'énergie est un bon baromètre de l'activité économique d'un pays et nous constatons bien entendu aussi
une baisse sensible de la consommation d'énergie, en particulier de la part de nos clients industriels et tertiaires. Et ça a bien entendu aussi un impact financier sur l'entreprise. Donc voilà les principales difficultés que nous avons rencontrées depuis le début de cette crise. Bon, c'est vrai que les attentes vis-à-vis de l'Europe en matière de solidarité dans cette période de crise sont très importantes. Je pense qu'effectivement, des décisions importantes ont été prises. Je pense qu'il a été difficile pour tout le monde de bien prendre la mesure de cette crise et de savoir quels instruments mettre en place pour faire preuve de solidarité. Donc, on attend encore, je dirais, les résultats concrets hein, en termes d'aide apportée, de nouveaux programmes mis en place pour justement soutenir l'économie. Et donc, dans l'attente de ces programmes, évidemment, toutes les entreprises concernées par cette crise s'adressent à leur État hein, en leur demandant ce qui peut être fait, quel pourcentage du PIB peut être alloué justement à des mécanismes de garantie bancaire, de fonds de solidarité, d'emprunt à taux bonifié, etc. Et là, on se heurte bien entendu à la marge de manœuvre financière des États qui peut varier bien entendu d'un pays à l'autre. On se heurte également à la difficulté à mettre en place ce genre de schéma